manque le filet. Ça va derrière la cage du gardien Blanchard. Maintenant repris par Charles Mathieu. Bousculade entre Brennan Lehmann et William Dion devant le filet. Dion, un tir bloqué par le gardien Blanchard. Ça va maintenant pour Dion toujours. Dion remet dans l'enclave. Personne n'était là pour reprendre. Bibard tente d'aller reprendre, mais Sanson sort de son filet. Remet rapidement. Une passe. Deux fois. Tire but! Philippe Giroux sur une excellente relance d'Émile Sanson. Oui. Ça va vers Justin Bernier. Maintenant vers Cédric Paré. Un tir beaucoup trop haut. Ça va maintenant pour Justin Bernier. Un retour. Le tir de but! Justin Bernier. 2-0 libre. Ils ont juste remporté du côté de Philippe Giroux cette fois. William Dion à Giroux, à Dion. Dion, un tir, touche la barre transversale. Giroux, tire but! Du revers, Philippe Giroux, quel lancé! Ouais. Partie supérieure. On va jusqu'à Jérémy Michaud. Michaud, un lancé bloqué par Philippe Giroux. Un autre lancé bloqué par Sanson. On va maintenant vers Giroux. Giroux, patiente. On est patiente du côté de Philippe Giroux. Giroux, une passe vers Charles Mathieu. Je vous rappelle toujours la recherche de son premier but avec l'uniforme du Pro Cycle de Trajet de Lévis. Il avait marqué 4-3, si je ne me trompe pas, lors d'un programme face au PSL de Lévis plutôt cette saison avec les Enfants de Québec. Ça va maintenant vers Zachary Marquis-Laflamme. Remet maintenant pour Sébastien Parquet-Roy. Parquet-Roy remet le long de la clôture pour Marquis-Laflamme. Alors que c'est patienté. On patiente avec la balle du côté de Parquet-Roy en bataille avec, désolé, c'était Kevin Lamotte. Lamotte se retenait quelque peu. Pas de pénalité d'appeler par les officiels. On de la clôture, maintenant, on est patient. Du côté de Parquet Droit, remet vers Marquis Laflamme. Marquis Laflamme, rapidement vers Lamotte. C'est but! Kevin Lamotte! C'est 4-0, ouais, Lévis! Marquis Laflamme remet vers Sébastien Parquet Droit. On est patient du côté du capitaine du procès de Lévis. Et pas trop de pression non plus du côté de Victoriaville. Hein? Non, très peu de pression. Ça fait un champagne qui laisse de l'autre côté pour Mathieu Coulson. Apporte des changements du côté de Denis Mainville. Changement complété. Un tour, un tir, manque le filet. C'est Cédric Paré qui reprend Paré. Patiente, attend des options, mais pas la balle. Tourniquet de Paré, tire le but! Cédric Paré, quelle belle pièce de jeu, ouais, j'entends. Oui, il était seul. Alors que ça va plus loin, on va jusqu'à Philippe Giroux. Ça va maintenant pour Philippe Giroux, toujours. Giroux, patiente avec la balle en fond de territoire. Giroux qui est patient. Ramène maintenant vers Sébastien Parquet-Roy. Parquet-Roy. Dans la table, c'est but! Sébastien Parquet-Roy. Une période 6-0, la marque en faveur du PSL de Lévis. Mathieu Cloutier remet plus loin, ça va jusqu'à Cédric Paré. Paré, patiente, remet vers Philippe Giroux. Giroux. Alors que ça va maintenant en fond de territoire pour Charles Mathieu. Mathieu, remet vers William Dion, un tir, manque le filet. Maintenant, c'est repris par Brendan Element. Element. Remet vers Sean Element. Sean Element remet maintenant pour Mathieu Viau-Renouf, qui est de retour dans la mêlée, heureusement pour les Lynx de Victoriaville. Ouais, plus de peur que de mal dans son cas. Oui, on est chanceux de ce côté-là. Un tir en fond de trois, c'est manqué. Ça manque la cage d'Émile Sanson. Ça va maintenant pour. C'est bien du côté de Charles Mathieu. C'est Philippe Giroux qui reprend. Giroux, trébuché, mais pas de pénalité. Giroux toujours, patient avec la balle. Lui qui a 28 buts ou 29 dans ses alentours-là. Un tir, Dion, le but! Un lancé parfait, partie supérieure. Il y a toujours 7-0, les locaux. Mathieu Cloutier remet vers Cédric Paré. Paré, patiente. Paré, un tir bloqué par le gardien Gravel. C'est revu par Mathieu Cloutier qui reprend avec la main. Pousse plus loin. C'est pour Cédric Paré. Garde avec sa main. C'est Cédric Paris qui veut remettre vers plus loin, mais vers Mathieu Cloutier, c'est Guérin Virville qui intercepte. Frédéric Guérin Virville. On va vers Jérémy Michaud maintenant. Michaud, interception de Cédric Paris, mais malheureusement, personne n'est là pour reprendre. Paris devra aller chercher cette balle. On laisse plus loin pour Samuel Mathieu Cloutier. Ah, c'est plus loin. Un tir de Sean Element bloqué par Sanson. Bien élu le jeu du côté du gardien lévisien. Element était bien positionné pour décocher ce tir. Ça va vers Philippe Giroux maintenant. Giroux. Remet pour Christopher Champagne. Plus loin. Une déviation. Ça va maintenant vers William Dion. Dion, dans l'enclave, une passe est manquée. Ça va jusqu'à Philippe Giroux. Est-ce pour Sean Element? Sean Element, toujours. Une feinte bloquée par Sanson. Ça va maintenant pour William Dion. Dion. Est-ce vers Philippe Giroux?
Une passe dans la classe, c'était pour William Dion, c'est manqué. Dion. Un tir à but! Philippe Giroux qui va débloquer l'achievement. Not my gunnerate. Finalement, en fait, ça a touché le bout de la jambe. On a sorti la pad au dernier moment du côté de Charles-Éric Gravel. 1,54 à faire. On retire le quartier. Et décision audacieuse du côté d'Éric Pinard, entraîneur-chef et directeur général des Lynx de Victoriaville. Anciennement marqueur de 100 points dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Saguenay de Chicoutimi à deux saisons consécutives. Est-ce qu'on veut y aller avec le différentiel, j'imagine? Possiblement. On sait que c'est très... Et important le différentiel. Un tir bloqué par Samson et de la Jambière. On va maintenant vers Jérémy Michaud. Michaud laisse plus loin pour Sean Element. Element, 1,27 à faire à cette période. Toujours 8-0. Lévy. Element dans le titre. Dévié. Ça va derrière la cage de Samson. Sortie du gardien. Pas la balle. Ça va maintenant pour Mathieu Cloutier. Pousse avec la main. Tente de reprendre. C'est réussi, mais c'est Michaud qui a repris par la rampe. Par la suite, ça va maintenant pour Raphaël Beaulieu. Beaulieu, un tir en se retournant. C'est le but d'un angle quasi impossible. On a battu.